Hello, children. Hope that you're safe and fine. Today also, we will continue with the second term syllabus, which means that we will be working in the part two of the books. The books can be found on the website of MIE. Alors, on va commencer avec les mathématiques. On va toujours continuer avec le topic de 2D shapes. Alors, aujourd'hui, on va parler des deux dimensions qu'il existe dans les 2D shapes. Quelles sont les deux dimensions qu'on a? Length and width. Alors, à l'aide de votre règle, vous allez tirer une ligne qui va mesurer 6 cm dans vos cahiers. Alors, j'espère que c'est bon. Quand vous aurez terminé de tirer la ligne, ça va être quelque chose comme ça. Donc, la ligne doit mesurer 6 cm. Alors, on va dire « The length of the line is 6 cm ». Une ligne a une seule dimension. A line has only one dimension and it is length. How do we call the one dimension that the line have? The length. Okay, so a line has only length. A line has only one dimension and we call that dimension length. A line has only length. Observe the lines below. We can use a ruler to draw the lines. Alors, ce que vous allez faire, vous allez observer les trois lignes qu'on a sur l'image. A line has length, comme on l'a déjà vu. OK? Now, a line has only length. We say it has only one dimension. Une ligne a seulement length. Donc, on dit que la ligne a seulement une seule dimension. C'est bon? Now, look at the rectangle shown below. Rectangle is an example of a 2D shape. It has two pairs of equal and parallel sides, n'est-ce pas? The longer sides are usually called the length of the rectangle. Alors, dans un rectangle, on a deux côtés qui sont plus longs et deux côtés qui sont moins longs, n'est-ce pas? Comme vous pouvez le voir sur l'image. Alors, les côtés qui sont le plus longs sont généralement appelés length. Good? The shorter sides are usually called the breadth or width of the rectangle. Alors, les côtés qui sont moins longs, on les appelle width ou breadth. Donc, un rectangle a length et width. Qu'est-ce que j'avais dit? What are the two dimensions that we have? Length and width. On dit que rectangle is an example of a 2D shape, n'est-ce pas?
Alors, pourquoi on dit ça? Parce que on a deux dimensions dans un rectangle. On a length et width aussi. Comme vous pouvez le voir sur l'image. Like a line, the rectangle has length and breadth. Breadth veut dire width. We say it has two dimensions, 2D. That is why a rectangle is referred to as a 2D shape. A 2D shape is thin and flat, for example, a rectangular chord. Similarly, a triangle, a circle and a square are 2D shapes. Alors, ça veut dire quoi? On a vu qu'une ligne a seulement une seule dimension, n'est-ce pas? A line has only length. On a aussi vu, contrairement à une ligne, un rectangle a length et width. Un rectangle a deux dimensions. C'est pour cela qu'on appelle un rectangle a 2D shapes, parce qu'il a deux dimensions. Il a length et width, les deux. Maintenant, a 2D shape is thin and flat. Un 2D shape est mince et plat. Pareil, a triangle, a circle and a square are 2D shapes because they have two dimensions. Alors, this is an example of a square. Now, in a square, all the sides are equal. Si en haut ça va être 4 cm, partout ça va être 4 cm. Comme vous pouvez le voir sur l'image, ok, ici. Alors, si en haut, qui est le length, va être 4 cm, partout ça va être 4 cm. Alors, square is a 2D shape parce qu'on a deux dimensions. On a length et on a aussi width. Good everyone? Now, 2D shapes are thin and flat. Comme vous pouvez le voir sur l'écran ici. Comment sont les shapes? Les shapes sont minces et plats. Ok? Now, what is the important thing that we have learned today? That a line has only one dimension. A line has only length. Now, a rectangle has two dimensions. Why do we call a rectangle two-dimensional shape? A 2D shape, because it has two dimensions. What are the two dimensions that we have? We have length and width. A rectangle has both length and width. The sides which are longer, we call them length. The sides which are shorter, we call them width. Now, like rectangles, what are the other 2D shapes that we have? We have square, triangle, and circles. These shapes also have length and width. Which is why we call them two-dimensional shapes. Ils ont deux dimensions, length and width. Alors, 2D shapes are always thin and flat. Alors, c'est tout pour les mathématiques aujourd'hui. English now. Let us read the short story here. How to be healthy and happy. Healthy veut dire comment être en bonne santé et heureux. Pixie and Dixie's cousin, Lulu, and her friend Jamal were camping in a big nature park with many friends. It was a camping weekend all about health and happiness. On the first day,
Lulu did some yoga early in the morning. It was very relaxing. After this, she went paddle boating in the nearby lake, played in the table tennis competition, and learned to do archery for the first time. She was able to hit the center of the target. Archery can be dangerous if we don't learn to do it safely. The teachers here are very good. It's our last day here. What do you want to do today? Lulu asked. There's a talk starting soon about living a healthy and happy life. Let's go to that, Jamal said excitedly. How to be healthy and happy? Healthy veut dire? Comment être en bonne santé et heureux? Pixie and Dixie's cousin Lulu and her friend Jamal were camping. Alors, le cousin de Pixie et Dixie, Lulu, et son ami Jamal, campaient dans un grand parc naturel avec de nombreux amis, ok? It was a camping weekend all about health and happiness. Alors, c'était un week-end de camping consacré à la santé et au bonheur. On the first day, Lulu did some yoga early in the morning. Alors, le premier jour, Lulu a fait du yoga tôt le matin. It was very relaxing. C'était vraiment relaxant. After this, she went paddle boating. C'est quoi paddle boating? Elle a fait du canotage. In the nearby lake, played in the table tennis competition. Elle a joué à la compétition de tennis de table and learned to do archery for the first time. Et a appris à faire du tir à l'arc. Archery, du tir à l'arc, comme vous pouvez le voir dans la deuxième image. She was able to hit the center of the target. Alors, elle a réussi à frapper le centre de la cible. Ok? Archery can be dangerous if we don't learn to do it safely. Alors, le tir à l'arc peut être dangereux si nous n'apprenons pas à le faire en toute sécurité. The teachers here are very good. Donc, les professeurs, les enseignants ici sont très bons. It's our last day here. Donc, c'est notre dernier jour ici. What do you want to do today? Lulu asked. There's a talk starting soon about living a healthy and happy life. Alors, on parle bientôt de vivre une vie saine et heureuse. Let's go to that. Jamal said excitedly. The woman talking was a famous doctor. She asked the audience some questions. Do you often feel tired at school? Are there times you feel grumpy? Do you frequently feel sick? Many people said yes. Lulu and Jamal did too. To live a healthy and happy life, there are some important things you must do. If you do these things, you will not feel tired at school. You will not feel grumpy and you will be in better health, the woman said. You must eat healthy food like fruits and vegetables and drink lots of water every day. Exercise gives you energy. Try to take part in sports, games and exercises that you enjoy. It is also important to take some time each day to relax. This will help you to feel calm and peaceful. You should all try to get enough sleep too. Do not watch too much TV or spend too much time on the computer. And one final thing, make sure you get lots of fresh air. The doctor finished her talk and asked everyone to go and enjoy the nature park. Alors,
The woman talking was a famous doctor. Alors, la personne qui allait parler de la santé est un médecin célèbre, ok? Alors, she asked the audience some questions. Elle a posé quelques questions au public, à l'audience. Do you often feel tired at school? Est-ce que vous vous sentez souvent fatigué à l'école? Are there times you feel grumpy? Y a-t-il des moments où vous vous sentez grincheux ou irrité? Est-ce que vous vous sentez malade souvent? Alors, many people said yes. Beaucoup de gens ont dit oui. Lulu and Jamal did too. To live a healthy and happy life, there are some important things you must do. Alors, pour vivre une vie saine et heureuse, il y a des choses importantes que vous devez savoir. If you do these things, you will not feel tired at school. Si vous faites ces choses-là, vous ne vous sentirez pas fatigué à l'école. Vous ne vous sentirez pas grincheux ou irrité et vous serez en bonne santé, a dit la dame. Alors, you must eat healthy food like fruits and vegetables and drink lots of water every day. Alors, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut manger des repas sains, il faut manger beaucoup de fruits, des légumes et surtout boire beaucoup d'eau tous les jours. Exercise gives you energy. Alors, les exercices physiques nous donnent de l'énergie. Try to take part in sports, games and exercises that you enjoy. Alors, la dame dit que essayez de prendre part dans des sports, dans des jeux, dans des activités physiques que vous aimez. It is also important to take some time each day to relax. Alors, c'est aussi important de prendre quelques temps tous les jours pour se relaxer. This will help you to feel calm and peaceful. Ça va vous aider à vous sentir calme et en paix. You should all try to get enough sleep too. Alors, vous devez aussi essayer de bien dormir. Do not watch too much TV or spend too much time on the computer. Alors, il faut pas regarder la télé pendant longtemps et aussi il faut pas rester devant l'ordinateur pendant longtemps. And one final thing, make sure you get lots of fresh air. Et une chose encore, il faut vous assurer d'avoir beaucoup d'air frais. Il faut respirer de l'air frais. The doctor finished her talk and asked everyone to go and enjoy the nature park. Alors, qu'est-ce qu'on a appris de cette compréhension? On a appris qu'il faut manger beaucoup de fruits, beaucoup de légumes, boire beaucoup d'eau, faire beaucoup d'exercices, faire du sport. Ok? Il faut se relaxer. Il faut bien dormir. Il ne faut pas rester pendant longtemps devant la télé ou devant l'ordinateur ou devant le portable. J'espère que vous pratiquez toutes ces choses-là à la maison, vu que vous êtes à la maison. Alors, je vais vous recommander de lire et relire cette compréhension, ok? Alors, comme homework, vous allez faire page 50, activité 4A. Note some details from the story, the place, people and activities. Alors, vous allez relire la compréhension et ensuite vous allez noter quelques détails de l'histoire. Par exemple, où l'histoire se passe, quels sont les gens qu'il y a dans l'histoire, quels sont les personnages qu'il y a, quelles sont les activités que les personnages font. Alors, on va maintenant faire activité 4B à la page 50.
Answer the following questions. Who went camping? What was the camping weekend all about? When did Lulu do some yoga? Where did Lulu go paddle boating? Alors, who, what, when, where are interrogative words. Who, what, when et where sont les mots qu'on utilise pour poser des questions. Who, qui, what, quoi, when, quand, where, où. Alors, vous allez répondre aux questions. Donc, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Alors, who went camping? Lulu and Jamal went camping. What was the camping weekend all about? The camping weekend was all about health and happiness. When did Lulu do some yoga? Lulu did some yoga early in the morning. Where did Lulu go paddle boating? Lulu went paddle boating in the nearby lake. Voici un exemple de paddle boating. On appelle cela pédalo aussi, faire du pédalo aussi. OK? So, as homework, you will do Activity 4C on page 50. Note some details from the story. Food and drink, relaxation and exercise. Alors, vous allez relire l'histoire et ensuite vous allez noter les détails qu'il y a à propos des food and drink, à propos de la relaxation, comme quels sont les exercices qu'on fait pour se relaxer, ok? Et aussi, quels sont les exercices mentionnés. C'est bon? Alors, c'est tout pour l'anglais aujourd'hui. Je vais vous recommander de faire beaucoup de lectures, surtout pour ceux qui ont des difficultés à comprendre l'anglais. Le français maintenant. Alors, aujourd'hui, on va répondre à quelques questions par rapport à la compréhension qu'on a fait hier. Alors, on va faire exercice 1 à la page 52. J'utilise le dictionnaire pour trouver le sens des mots suivants. Alors, ici, vous avez une liste de mots. Ce que vous devez faire, il faut que vous cherchiez ces mots-là dans vos dictionnaires. Ensuite, vous allez écrire la définition, ce que ces mots-là veulent dire. Alors, vous allez d'abord copier toutes les questions, tous les mots dans vos cahiers. Ensuite, à l'aide de votre dictionnaire, vous allez trouver
le sens de ces mots-là. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses ensemble. Alors, le mot mondial, qu'est-ce que ça veut dire? Le mot mondial, ça veut dire ce qui concerne le monde en entier. OK? Reconverti, ça veut dire changer. Promouvoir, ça veut dire encourager. Talent, une qualité particulière à faire quelque chose. Par exemple, il y a des gens qui savent très bien dessiner, il y a des gens qui savent très bien chanter, il y a des gens qui savent faire de la magie. Ce sont tous des exemples de talent. Alors, on a tous un talent. Tout le monde a un talent. Tout le monde est doué à faire quelque chose. Alors, impatiente, quelqu'un qui ne peut pas attendre calmement. Aligné, se mettre sur la même ligne. Alors, vous venez d'apprendre des nouveaux mots, donc vous allez copier le mot et les définitions dans vos cahiers au moins deux fois. Alors, vous allez ensuite faire exercice 2 à la page 52. J'utilise les mots de l'activité 1 dans les phrases suivantes. Alors, dans l'activité 1, on avait une liste de mots. Alors ici, il faut utiliser les mots de l'activité 1 pour compléter les phrases. Après le cyclone, les maisons détruites ont été en espace vert. Stevie Wonder a un incroyable malgré son handicap. Vous, pendant l'assemblée matinale, Farah est de rencontrer son chanteur préféré. Lors de la journée de l'environnement, plusieurs élèves
On plantait des arbres dans le jardin de l'école. Plusieurs concerts aident à la diversité musicale du pays. Alors, vous allez copier toutes les questions dans vos cahiers. Ensuite, vous allez choisir le mot qui convient pour compléter les phrases. Alors, ici, il faut choisir les mots qui se trouvent dans l'activité 1. Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Après le cyclone, les maisons détruites ont été reconverties en espaces verts. Stevie Wonder a un incroyable talent malgré son handicap. Vous vous alignez pendant l'assemblée matinale. Farah est impatiente de rencontrer son chanteur préféré. Lors de la Journée mondiale de l'environnement, plusieurs élèves ont planté des arbres dans le jardin de l'école. Plusieurs concerts aident à promouvoir la diversité musicale du pays. Alors, vous allez maintenant faire exercice 3 et exercice 4 à la page 52. Je trouve un autre mot dans le texte qui veut dire façon, passe, prédire. Numéro 4, j'écris le contraire de mot suivant. Beaucoup, plusieurs, rempli. Alors, ici, pour le numéro 3, il faut que vous cherchiez un autre mot qui veut dire façon, passe et prédire dans le texte. Numéro 4, il faut écrire le contraire des mots qu'il y a. Le contraire de beaucoup, plusieurs et rempli.
Alors, j'espère que c'est bon. Allons maintenant voir les réponses. Donc, un autre mot qui veut dire façon dans le texte, c'est moyen. Un autre mot qui veut dire passe, consacre. Un autre mot pour prédire, c'est prévoir. J'écris le contraire des mots suivants. Le contraire du mot beaucoup, c'est peu. Le contraire de plusieurs, c'est aucun. Et le contraire de rempli, c'est vide. Alors, je relis chaque mot à sa définition. Alors, ici, on a plusieurs mots. Ce qu'on va faire, on va relier les mots avec la bonne définition. Donc, allons faire cet exercice ensemble. Musicien veut dire la personne qui joue d'un instrument. Compositeur veut dire la personne qui écrit de la musique. Interprète, la personne qui chante. Mélomane, la personne passionnée de musique. Allons maintenant faire exercice 6 à la page 53 ensemble. J'écris comment s'appelle la personne qui joue de chaque instrument en suivant l'exemple. Celui qui joue du saxophone est un saxophoniste. Alors, comment est-ce qu'on appelle celui qui joue de la guitare? Un guitariste. Celui qui joue du piano est un pianiste. Celui qui joue de l'accordéon est un accordéoniste. Celui qui joue du violon est un violoniste. Celui qui joue de la trompette est un trompettiste. Alors, qu'est-ce qu'on a fait? On a gardé le mot comme c'est, on a juste ajouté « ist ». À la fin, guitariste, pianiste, accordéoniste, violoniste et trompettiste. C'est bon? Alors, comme homework, vous allez faire exercice 5 à la page 53. Je cherche des mots dans le texte « Célébrons la fête de la musique » pour compléter le texte ci-dessous. Plusieurs ont eu lieu pour le concert de charité. Tous les sont arrivés quelques heures plus tôt pour se préparer. Les spectateurs, quant à eux, se sont placés sous le grand mis dans le stade. Ce type de permet de ramasser des fonds pour les personnes qui en ont besoin. Alors, ce que vous devez faire ici, c'est il faut chercher des mots dans le texte qu'on a fait hier. Ensuite, vous allez compléter les phrases avec ces mots-là. Bien sûr, il faut chercher des mots qui conviennent ici. Alors, c'est tout pour le français aujourd'hui. Science now. So today, we will still continue with the topic of energy. Hier, on avait vu quel type d'énergie qu'on obtient de la nourriture. What is the form of energy that we obtain from food? Chemical energy. We obtain chemical energy from the food. Now, today we are going to talk about energy obtained from the wind. Aujourd'hui, on va parler de l'énergie que l'on obtient du vent. We often observe some non-living things moving or performing some functions. Alors, il y a des non-living things, veut dire des êtres non vivants qui bougent ou qui exécutent des fonctions. Par exemple, regardez l'image sur votre écran. Qu'est-ce que vous voyez? Ici, on a un bateau à voile. Qui navigue sur la mer. Alors, selon vous, comment est-ce que le bateau bouge? What is causing the sailing boat to move? The wind is causing the sailing boat to move. Alors, à l'aide du vent,
Le bateau à voile est en train de bouger. Donc, le bateau à voile bouge ou navigue à l'aide du vent. Wind possesses movement energy. Alors, on a movement energy du vent. On obtient chemical energy dans la nourriture. Pareil, on obtient movement energy du vent. Wind pushes the open sails of the boat and makes it move. Maintenant, comment est-ce que le vent aide le bateau à voile à bouger? Le vent va pousser les voiles ouvertes du bateau et va le faire bouger. So wind is also a source of energy. Donc, qu'est-ce qu'on peut conclure? Que le vent est une source d'énergie. Let us find out the form of energy that we can obtain from the wind. Alors, observe figure 5 and answer the questions that follow. Observez figure 5. Give two examples of non-living things being moved by the wind. Alors, vous allez écrire deux exemples des choses qui n'ont pas de vie, des non-living things, qui est en train de bouger avec le vent. Quelles sont les deux choses qui bougent à l'aide du vent dans cette image? Now, the two non-living things being moved by the wind are the kite, le cerf-volant, and the wind generator. The blades of the wind turbines are turning. What causes the blades of the wind turbines to turn? Alors, chez l'image, on a a wind generator, n'est-ce pas? On appelle cela des éoliens. C'est bon? Alors, ces turbines ont des pales. Blades ont des pales. Selon vous, comment est-ce que ces pales bougent? The wind causes the blades of the wind turbines to turn. À l'aide du vent, les pales bougent. Alors, allons maintenant répondre à quelques questions d'autres. What form of energy does the wind possess? The wind possesses movement energy. Puisque le vent aide des choses non vivantes à bouger, comme le bateau à voile, comme le cerf-volant. What form of energy do the turning blades possess? The turning blades possess movement energy. Les pales possèdent movement energy. Observe figure 5. What is obtained from the wind generator? Selon vous, quelle est l'utilité de ces turbines? Wind generator. Electricity is obtained from the wind generator. Alors, on utilise ces turbines qui bougent à l'aide du vent pour faire de l'électricité, pour produire de l'électricité. Give two other ways in which energy obtained from wind is helpful to us. Quelles sont deux autres façons
ou l'énergie qu'on obtient du vent nous aide. To fly our kite, to dry our clothes. Alors, le vent nous aide à envoler nos cerfs-volants et aussi à faire sécher nos vêtements. Using energy obtained from the wind does not make the environment dirty. So using wind energy does not pollute the environment. Alors, quand on utilise l'énergie qui provient du vent, l'environnement reste très propre. Alors, quand on utilise l'énergie du vent, ça ne pollue pas l'environnement. So we say that wind is a clean source of energy. Alors, le vent est une source d'énergie qui est très propre. L'image que vous voyez sur votre écran, ce sont des wind generators. C'est bon? L'énergie éolienne. Alors, qu'est-ce qu'on a appris aujourd'hui? And that wind possesses movement energy. On a appris que le vent possède movement energy. On a aussi appris que we use wind energy to fly kites to dry our clothes. On utilise l'énergie du vent pour faire envoler nos cerfs-volants, pour faire sécher nos vêtements. Wind energy is used to generate electricity. Alors, on utilise l'énergie qui provient du vent pour générer, pour produire de l'électricité à travers les wind generators. Alors, quels sont les avantages d'utiliser l'énergie qui provient du vent? Advantages of using wind energy. It does not pollute the environment. Cela ne pollue pas l'environnement. Wind energy is a clean source of energy. Et l'énergie qui provient du vent est une source propre de l'énergie. Donc, ça ne va pas salir notre environnement, ça ne va pas affecter notre environnement. C'est une source naturelle et propre de l'énergie. Alors, je vais vous recommander d'aller bien reviser tout ce qu'on a fait aujourd'hui sur Wind Energy. Et il faut essayer d'apprendre par cœur l'énergie qu'on obtient du vent, that is movement energy. What are the uses of wind energy? To fly kites, to dry our clothes and to generate electricity. And what are the advantages of using wind energy? It does not pollute the environment and wind energy is a clean source of energy. Alors, c'est tout pour la science aujourd'hui. Donc, j'espère que vous faites tous vos devoirs et que vous révisez bien. Prenez bien soin de vous et de votre famille. Je vous souhaite de passer une très bonne journée.